Je vais vous montrer comment réaliser très facilement des petits nœuds dans ce style. Il vous faudra tout simplement une fourchette et un morceau de ruban. Plus précisément, un petit morceau de ruban d'environ 15 cm de long et un ruban plus long que nous couperons par la suite. J'ai choisi ici deux rubans différents, mais vous pouvez tout à fait le réaliser avec un seul ruban. Je vais prendre ma fourchette, le petit morceau de ruban, et je vais venir le glisser au milieu de la fourchette, de part et d'autre, de cette manière. Je vais le maintenir avec le pouce, puis je vais prendre mon deuxième morceau de ruban que je vais venir croiser par-dessus le premier. Et ensuite, je vais simplement tresser dans la fourchette, en passant toujours par le milieu, un aller-retour pour créer une boucle dans mon nœud, deux allers-retours pour créer deux boucles dans mon nœud. Je vais ensuite prendre le petit morceau de ruban, je vais le repasser par le milieu de la fourchette, et là, tout en maintenant bien le grand morceau de ruban, je vais venir nouer le petit morceau, un nœud, deux si vous voulez solidifier un peu plus. Et voilà, mon nœud est quasi terminé, je n'ai plus qu'à le sortir de la fourchette. À égaliser les bords. Et voilà le nœud que j'ai réalisé en moins d'une minute. Avec ce système-là, vous pouvez réaliser donc des nœuds avec une boucle, donc un tour dans la fourchette, deux boucles, deux allers-retours dans la fourchette, c'est le modèle qu'on vient de réaliser dans cette vidéo, trois boucles, donc trois allers-retours dans la fourchette. Les possibilités sont multiples, vous pouvez vous amuser à mélanger les couleurs, les textures, donc c'est à vous de jouer. Retrouvez-moi les gourmandises de Flo sur 123flobricole.canalblog.com.